Tout à coup, apparaissent les affiches qui annoncent le crime du 2 décembre. On se rencontre, on se parle bas. La défiance et la stupeur sont peintes sur toutes les figures. On ne peut croire à autant d'audace. L'on attend à chaque instant un démenti formel à tant d'horreur. Mais rien, l'anxiété est permanente. Cependant, la réussite du coup d'État se confirmait. Les honnêtes et modérés relevaient la tête. Ils redevenaient plus audacieux et plus insolents que jamais. La tranquillité n'était troublée par aucune parole ni aucun geste. Et pourtant, il était vaguement question d'arrestation. Les 17 ou 18 décembre, je me tins sur mes gardes et bien m'en pris. Car le même soir, on arrêta Viala, dit Béziers, et Bois, tous deux cordonniers. L'on alla chez Pétetin, qui était absent. L'on vint chez moi, mais je fus prévenu à temps et je couchai dehors de mon domicile. Le lendemain, on arrêta Mouton, cafetier et Madame Huc, sœur de Pétetin et veuve d'un brave démocrate, marchand tailleur à Vienne, qui avait été assassiné et son magasin dévalisé l'année précédente sans que la police ait jamais découvert les traces des assassins. On vit aussi une affiche signée du maire qui invitait tous les bons citoyens à aller se faire inscrire à la mairie pour former une garde civique afin de pouvoir repousser les anarchistes, etc. Il paraît qu'à Givors, personne ne se jugea bon citoyen dans le sens que l'entendait monsieur le maire. Le matin du 7 janvier 1852, le jour de la plus importante foire du pays, l'on vint m'annoncer au lit qu'une nuée de bleu venait de débarquer à la station du chemin de fer et fondait sur Givors. Je ne voulais pas bouger, me fondant sur ce que personne n'avait rien à me reprocher. Mais il arrivait tant de messagers qui m'assureraient que la nuée allait crever sur moi, que je me décidai à m'habiller et à dégarpir. Il était temps. Ils entraient chez moi comme je sortais. Je me réfugiais de nouveau chez le brave parent qui m'avait accueilli en décembre, et là j'appris qu'on avait arrêté Guérin, cafetier. L'homme, ou plutôt l'agneau le plus inoffensif, est connu seulement pour son adhésion franche à la République. Pierre Belin, patron et cafetier, malade ainsi que sa femme, qui était alitée et lui dans le bain, parce qu'il avait pour enseigne « Café du peuple ». Jacques Sigaud, cabaretier et conseiller municipal, celui-là était plutôt bonapartiste que toute autre chose, car il ne respirait que de Tédéum et fête en l'honneur du neveu de l'oncle. Et cela sans doute parce qu'il aimait à parader, ne pouvant se distinguer autrement. Forest, boulanger, qui n'a jamais eu d'autre souci que de bien boire, bien manger, et qui, de son propre aveu, de tout temps, n'est pas plus républicain qu'autre chose, parce que, dit-il, il n'y connaît rien. Marchand, cordonnier, comte Icarion, s'occupant exclusivement de ce qui se passe à Novo, Illinois, Amérique septentrionale. La branche, dit Perpignan, cordonnier et tambour, qui venait de subir 3 mois de prison préventive sur une accusation banale de tentative d'embauchage, et acquitté depuis 14 jours par un conseil de guerre. La foire, comme on le pense bien, fut perdue. Tout le monde était dans la consternation. Personne n'était sûr de sa liberté et de coucher dans son lit. Les marchands pliaient bagages. Les paysans rebroussaient bien vite chemin et avaient hâte de rentrer dans leur village. Cochard, forgeur et débitant, homme de cœur, celui-là a pu s'échapper. Il s'est retiré à Londres. Sa femme est allée le rejoindre. J'avais oublié que l'on avait mutilé l'enseigne de M. Belin en rayant les deux mots du peuple.